Alors, Paris-Nice, du coup, on pourra pas faire. Hein? Forcément. Oh, c'est Arnaud Démare qui gagne à Saint-Cyr. Let's go! Qui va gagner la prochaine étape? À Chalette-sur-Loing, c'est Caleb-Evan. Voilà, Caleb-Evan. Le. Contre la montre, Gien-Gien, c'est Evenepoel. Pogacar qui gagne à Saint-Étienne, bien sûr. Le Puy-en-Velay, Romans-sur-Isère, c'est Gaviria qui a gagné. Pogacar, toujours maillot jaune. Guillaume-Martin qui gagne à Sisteron-Vence. Pogacar encore. Hein. Roglic qui gagne, mais toujours Pogacar. Et Roglic est toujours Pogacar. Pogacar, maillot jaune. Sur le Paris-Nice, qui a gagné le Paris-Nice. Bien joué, Pogacar, bien joué, bien joué. Pidcock qui finit deux, quoi. Ah non, classement d'étape. Pogacar. Oh, devant Roglic à une seconde, quoi. Quand même. Landa, Vingegaard, Bardet, Godu. J'ai trop hâte de voir. Bah, j'ai rien fait. Ah bon? C'est étonnant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai trop hâte de voir la saison prochaine, là, le Tour de France l'année prochaine. Si tu pouvais avoir un transfert Van Aert en tant que leader dans une team de son côté, avec ça pourrait faire un combat Van Aert, Pogacar, Vingegaard. Ah pardon, c'est fini. Bernal. Si Julien est là aussi pour les étapes, pour me donner un petit peu l'attaque et tout, trop bien. Peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, hein. Ah, si. Ensuite, on avance. On avance. Étape de pavé, Anvers ou Oudenaarde. Et c'est Bob Jungels qui a gagné. Bien joué, Bob. Bien joué, bien joué. Paris-Roubaix. On ne participe pas, hein, évidemment. Évidemment, on n'a pas les niveaux. Hein. Nous, on va aller à Braise. Compiègne-Roubaix. Van Baarle. Qui a gagné. Oh, ça fait 36 secondes d'avance sur Van Aert. Et 54 sur Stuyven. GG. Oh, j'ai pas envie de le faire, le. Liège-Bastogne-Liège. Alaphilippe. Ah non, Martinez. Alaphilippe fait 3. Julien. Et c'est parti pour la Breeze Cup. Voilà, bon, je suis pas en forme hein, sur cette étape. Voilà quoi. Ce qu'on veut, c'est des points pour améliorer nos compétences. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. On devrait pouvoir rentrer dans le top 10 de l'étape. Mais avec ce parcours accidenté, il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris. Bonne course, les gars. Allez, allez. Ah, il y a une épa... Ah oh, on pourrait faire un double coup, mais bon, ça n'a pas été évident. Si je pouvais partir seul, ce serait trop bien, déjà. Et je passe le col pavé en troisième catégorie, du coup, seul et donc en tête. On peut faire route pavée plus col comme objectif. Ça pourrait être pas mal. D'améliorer un petit peu notre niveau en pavé avant l'étape pavé. Pidcock, McNulty, Tige Bellot. Bon, bien sûr, on joue Roy. Hein. Oh putain, je suis pas du tout. L'avantage, c'est que je suis plus que. De... Je suis pas. Je suis pas. J'ai plus. Comment? J'ai des notes qui sont plus. Voilà. Tu comprends ce que je dis ou pas du tout? J'ai certaines notes qui sont plus dans le rouge. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, un château. Tracé intégralement dans le Finistère, l'étape d'aujourd'hui devrait être maîtrisée par les équipiers des punchers. Avec une côte finale de 3 km, les coureurs les plus explosifs trouveront un magnifique terrain d'expression pour tenter d'ajouter une ligne à leur palmarès. Avec une côte finale de 3 km. Pardon, excuse-moi de Ghent. Ok, c'est parti! On part en échappée. Les gars, aujourd'hui c'est une arrivée pour les punchers.
Ils vont sans doute demander à leurs équipiers de gérer la course jusqu'au pied de la bosse finale pour tout jouer sur une seule attaque. Allez, bonne journée les gars. Ça relance derrière. Ok, je suis dedans. On est pas mal. Van der Horn possède 30 secondes d'avance. Ok. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Quand on aura une minute. Quand on aura une minute, c'est que c'est la bonne échappée. Je vais essayer de faire comme ça, voir. Ok, il repart tout seul là-bas. Stabilisé. T'es sérieux, on s'est fait reprendre là? Oh, j'ai pas fait gaffe. Oh, je suis écœuré. Bon, attends, moi je respire. Hein. On repart après. N'attaquez pas maintenant. Cette étape doit faire partie de ses objectifs. Oh, je pensais qu'on était parti, moi. Tu peux gagner. C'est difficile. Il tente de former une contre-attaque. J'y vais pas. Je récupère d'abord le rouge. Une minute pour l'échapper. Ok, je pars avec toi, je suis là. Je suis dans tes roues. Tu roules trop vite. Arrêtez! Bah, attendez-moi, les gars! Le premier Grand Prix de la montagne approche. Il y aura un point marqué pour celui qui passera en premier au sommet de la côte. Bah, les gars, ils sont partis trop fort! Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. C'est dur de sortir. Roule fort, restez bien placé. Je pensais qu'on avait 30 secondes, j'ai pas fait gaffe et du coup. Oh, Luke Rowe qui fait le tempo. Le peloton n'a pas abdiqué. Je me laisse récupérer. Je tenterai une contre-attaque après. On n'est pas obligé de l'attaquer que au début de l'étape. Ah non, je pourrais pas attaquer. C'est très 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 accidenté. Ça va pas être évident quoi. Faudrait que le peloton rentre, ce qui a l'air d'être le cas. Et je tente la contre-attaque à ce moment-là. On est en train de rentrer sur Scully. Il est en tête depuis un petit moment tout seul, il doit être à fond. Chute collective, ça risque de provoquer des cassures. Chute collective et c'est pas moi. Les coureurs approchent de la prochaine difficulté répertoriée. Il s'agit d'une côte de 4e catégorie. Oh non, ils sont deux, ils laissent partir. Oh, ça y est, ils laissent partir. De nouveau, un point marqué pour le classement du meilleur grimpeur. C'est quand l'arbitre? C'est pas là. Je t'en devais sortir. Mais non, mais arrêtez de me suivre! Je suis pas en train de mettre un tempo rapide, hein. J'essaie d'attaquer. Je sais que mon attaque est pas fulgurante, mais c'est un peu vexant, les gars. Laissez-moi partir. J'essaie de partir. C'est-tu l'erreur? Je remonte sur les gars devant là, mais même pas quoi. 1 minute 30 en faveur de l'échappée, les gars. C'est peut-être la bonne. Ah mais ils ont dû attaquer aussi pour le sprint au sommet. Ah ouais. Le peloton a dit non. Bon, je leur ai mis 40 secondes mais
Il y a déjà des lâchés en fin de peloton. Ça va pas être une bonne journée pour eux. Non mais le gars il roule à fond devant quoi, c'est incroyable quoi. Je suis seul là après. Hein. Là le peloton il roule moins vite que moi. Si je peux garder ce rythme là. Alors je remonte pas mais Ouais mais je vais pas jouer tout le long à ce truc comme ça là, c'est pas possible. Je vais pas faire 155 km là, c'est pas possible. Le problème c'est que si je demande au jeu de garder ce rythme là, il le fera pas, il va essayer d'accélérer ou Ou il va ralentir automatiquement quoi. Une 16. Une 17. Je sais pas ce que je fais, je vous le dis, je suis parti en tente quelque chose. En fait j'aimerais les voir, ah voilà ils sont là. Je me dis si j'arrive à les voir et à rentrer, après on va rouler à un rythme tranquille et on va pouvoir respirer quoi. Et là comme ils continuent de prendre de l'avance sur le peloton, j'arrive, eh j'ai réussi. On a réussi à prendre l'échappée. Écart stabilisé. Je suis là les gars. On est trois maintenant. C'est beau hein. Bon par contre comptez pas sur moi pour prendre le relais. Va falloir patienter les gars. Je vais me mettre à 5 minutes. L'équipier assure déjà le tempo pour arriver au sprint. L'échappée est prévenue. Moi je récupère hein. L'étape n'est pas très animée. Si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important, tu peux accélérer le temps jusqu'au dernier kilomètre. Ok, je commence à collaborer. Peut-être que j'avais raison, tu vas peut-être gagner. Non, parce que là, on a 3 minutes, enfin 4 minutes d'avance, mais il reste 130 km. Après, ça va être très accidenté, on va commencer à être fatigué, le peloton va accélérer, on va se faire rattraper, on va être distancé. Bon, voilà. Pas, c'est pas très grave. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Ce que je vais essayer de faire, c'est. C'est qui avec moi là? Je vais essayer d'aller chercher les points du troisième catégorie. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. C'est une montée en pavé. C'est important. L'oreillette est là pour ça. C'est une montée en pavé. Hein. J'accélère un peu. Les coureurs arrivent à l'Ocronan. Ils vont y disputer un classement. Ok, la côte est là. Classement du meilleur grimpeur un peu particulier, puisqu'ils devront batailler sur des pavés. Il y aura 2 et 1 point à marquer. Sortir en tête d'un secteur pavé, j'ai réussi déjà. Ça déjà, c'est un succès. L'écart augmente. Pas de quoi s'affoler les gars, y'a personne de dangereux pour le général. Eh, j'ai déjà réussi à sortir en tête d'un secteur pavé, on est content. Moi j'ai pas eu le classement de la montagne, mais c'est pas grave. On est content. On va essayer de rentrer. Parfait. Parfait, parfait. Par la victoire d'étape. Ça doit être pour ça que ces équipiers roulent.
Anton Gel Bleu. Je suis pas mécontent. On a amélioré un tout petit peu le secteur pavé. Non, c'est pas incroyable, hein, mais ça nous permettra peut-être d'être distancé un secteur pavé plus loin. C'est l'heure du ravitaillement pour la sur la dernière étape. L'occasion pour les coureurs d'attraper la musette en vue de la deuxième partie de l'étape. Passons à secteur, enfin la route pavée après, enfin l'étape pavée après. On va voilà quoi. Les compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. On va jouer tranquillou quoi. On part en échappée et on verra quoi. Putain, par contre ils ont vraiment accéléré le rythme effectivement. Ça a un peu fatigué tout ça les gars. Pas collaborer. Mais. Vous approchez du sprint intermédiaire. On n'a pas assez d'avance pour. Putain, si je pouvais gagner un sprint intermédiaire, ça me devrait me donner des points aussi. Pour améliorer mes capacités de sprint et donc mon accélération. Moi j'ai pas de rouge. Le peloton roule fort, restez bien placé. J'ai pas de rouge, j'ai pas de rouge. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais, j'ai pas de rouge. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller jusqu'à la fin. Et on va lui dire d'attendre le groupe suivant, tranquillement. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Cumuler 50 km en échappée solitaire. Ah, d'accord, ça compte quand même quand je suis pas en tête. L'échappée d'accord, a peu de chance d'aller au bout, les gars. Hop, 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 mais je suis au bout du rouleau déjà, là. Et on est à 60 km. Je vais finir dernier. Non. On n'a pas envie de finir dernier hein. Ouais bon bah, tant pis. T'es bientôt à bout de force. Essaie de gérer si tu veux éviter une défaillance. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble bon, stabilisé. On est distancé. Nous sommes à un peu moins de 50 km du terme. L'étape vallonnée qui nous a fait étape. Très très mal. Et les coureurs vont maintenant aborder le dernier Grand Prix de la montagne avant l'arrivée. Une difficulté qui permettra elle aussi de marquer des points pour le maillot à poids. On va essayer de pas être hors délai quoi. Hors délai, c'est la flèche rouge à droite. Par là. Non, par là. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Pas là-bas. Faites attention. C'est la flèche rouge à côté du 1-1 jaune. Tant que je suis pas derrière ça, je suis pour la tête de course. Merci beaucoup. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final. J'ai plus de bleu quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Échappée terminée. Bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis un jeune coureur que j'ai plus pas de, que quelques kilomètres avant le dénouement physique, de cette étape. Pour l'instant, le peloton est groupé pour le moment. Je suis au bout du rouleau. L'échappée ira sans doute au bout. On est en promenade. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Ah mais ça va hein. Non non bah vas-y hein. Tu peux finir. On va pas chercher là. Ah, la dernière côte qui fait très mal. On a fini dernier. Mais je suis sorti d'un secteur pavé en tête. Et ça c'est bien. Et ça c'est très bien. Est-ce que demain tu live sur ce jeu? Ouais, je pense, ouais. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Il est en bien tête joué, c'est Clark. Il est dans. Bon, moi j'ai rien parce que forcément. Forcément, pour l'instant, c'est premières saisons. On visait un top 10 sur cette étape et c'est raté. C'est dommage. On pouvait espérer mieux pour commencer, mais c'est pas grave. Ah, il y a eu 3 abandons avec des chutes. Je suis pas dernier du coup. J'ai fini 10 minutes derrière l'avant-dernier, mais je ne suis pas dernier. Putain, j'ai failli être sub 4, j'ai pas sauvegardé encore. Bonjour les gars. Commençons bon, le briefing de Bretagne. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir au puncher. Ouais. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Puncher, on devrait pouvoir rentrer dans le top 10 de l'étape.
Mais avec ce parcours accidenté, il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris. Bonne course, les gars. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'a pas assez d'énergie pour finir une étape. On peut même pas envisager de se dire, vas-y, on part. Et on va au bout avec l'échappée. On va être distancé par l'échappée, de toute façon. Donc, faut vraiment qu'on améliore nos capacités physiques, quoi. Endurance et résistance. Et c'est ce qu'on fait. En partant à force... De partir bonjour en échappée seul, et etc. Bienvenue en Bretagne et plus précisément dans c'est le département des Côtes d'Armor. Avec une arrivée prévue la deuxième saison de sera la beaucoup côte mieux du mur de Bretagne, il ne fait aucun doute que le vainqueur du jour figure parmi je les excellents punchers. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être vers 20h. Mais je suis carrément coincé. Ça, c'est chiant. Ça, ils ont pas changé ça. Les gars, aujourd'hui, c'est quasi tout plat jusqu'au circuit final. Faudra monter deux fois à mur de Bretagne et c'est dans l'ascension finale que tout devrait se jouer pour la victoire d'étape. Bonne journée. Je parle avec Guy Tescoli. On repart le même trio. Oh bah t'as le maillot jaune qui part. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Mais le peloton il laisse partir le maillot jaune ou pas là? Moi ça me gêne pas s'il le laisse partir mais bon, il me demande un relais, je suis au bout du rouleau mon grand. Moi je vois bien mais... J'ai pas réussi à tenir mais tu vois c'est vraiment... Faut rouler ces gars car c'est un danger pour le général. Faudrait qu'on arrive à partir seul et qu'on passe au sommet... Enfin qu'on arrive à partir seul. Une échappée seule, ça pourrait être très bien, quoi. Gagner des points de sprint intermédiaire et tout, quoi. Une minute trente en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ok, on est rentré, on a deux minutes d'avance, on est dans le groupe de tête. On est en échappée, tout va bien. Ça risque de provoquer des cassures. On va pas collaborer, on va respirer. Faut vraiment qu'on arrive à gagner un sprint intermédiaire, quoi. Les autres en ont marre, tu ne roules pas assez. Ils vont sûrement essayer de te lâcher. Non mais là je suis chaud pour collaborer les gars. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Alors sprint intermédiaire dans 4 km. Après 1h30 de là, je comprends toujours pas comment on fait pour améliorer ce berceau. Bah ça se fait automatiquement. En fait, t'as des objectifs, genre partir en échappée pendant 50 km. Et si t'arrives à atteindre cet objectif, ce que j'ai déjà fait hein, pour 50 km, bah ça te donne un point de compétence en plus en endurance. Ou en résistance, je sais pas dans lequel des deux. L'échappée à bord. Ce qui fait que si t'étais à 65, là, tu passes à 66. Étape. Il y aura un point. Donc il faut atteindre les objectifs le du maillot à poids. Pour réussir à améliorer ses compétences. Il semble intéressé par la victoire d'étape. Ça doit être pour ça que ses équipiers roulent. C'est pour ça que j'essaie d'aller passer au sommet des cols, mais n'étant pas seul, en fait, c'est toute la difficulté. C'est que le temps que j'ai pas amélioré mon endurance et ma résistance. L'écart augmente, pas de quoi s'affoler, les vois, gars. Je peux rien faire. Là, j'ai même pas assez de rouge et je suis distancé carrément, quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas le niveau d'aller chercher les victoires au sommet des cols. C'est le maillot à poids qui est passé en tête du dernier grimpeur. Et du coup, pour l'instant, je peux pas améliorer mes compétences en montagne. Donc il faut d'abord. Être un baroudeur et donc partir en échappée, cumuler les points, améliorer ses capacités physiques, quoi. Et une fois qu'on leur a fait ça...
Ah, merde. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra essayer de jouer sur sur les victoires de. Allez, colle. Ok. Aussi semble intéressé par la victoire d'étape. Les équipiers roulent aussi. Bon, okay. Je fais une sieste. Réveillez-moi s'il se passe quelque chose. Il commence à rouler un peu fort déjà l'échappée là. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Ah ouais, ça rentre fort et on roule fort et moi je m'épuise quoi du coup. Donc moi je vais pas, pas trop insister. La prochaine côte est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un point en jeu pour le classement de la montagne. Je vais pas trop insister. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter là, on sait jamais. Bon, peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont se rater ou j'en sais rien. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur. On essaie de prendre le point. Et après, j'attends le peloton, ce qui va me permettre d'accumuler des kilomètres en échappée solitaire. Et comme le peloton est à 3 minutes, bah, c'est quand même plutôt pas mal. Ça devrait nous permettre d'accumuler 5 ou 10 km de plus facile. Le temps qui rentre, quoi. Tu vois, j'ai pas d'accélération quoi. Faut absolument arriver à gagner. Ok. Faut absolument arriver à gagner. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. À gagner un sprint intermédiaire pour aller chercher du boost quoi. Les hommes de tête entrent dans la zone de ravitaillement. Mais t'es sérieux là? Mais me mets pas en protection d'un gars quoi. Soyez attentifs, ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. L'échappée a peu de chance d'aller au bout les gars. Faites attention au contre. Ah, il en a explosé. On a explosé. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. On a complètement explosé. On va jusqu'au bout, on finit comme ça. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. C'est dur hein, pour le début. Hein. C'est très dur. Hein. T'as pas d'endurance. Et bah, Josh Blue, 30 par secondes d'avance pour la tête de course. Tu veux peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence. Est-ce que là final. C'est de l'échappée solitaire ce que je fais? Parce que bon, le premier 20 km passage de plus, mur de Bretagne est maintenant terminé, mais ce n'est pas la fin des difficultés. Ah, on passe plusieurs fois à mur de Bretagne. Enchaîne immédiatement enfin, avec la côte de Saint-Mailleux. Ouais. Allez, c'est parti oh, pour cette étape, peloton. Elle est stylée. Hein, la montée finale. Attends, on n'a pas le niveau. Quoi. Ah bah ils sont finis, ils étaient arrivés. Prends pas de ravit ou c'est automatique? Non c'est automatique, le ravitaillement. Moi je bois quand il y a besoin mais je peux pas... Enfin, je peux pas me rajouter de l'on... En fait t'as la jauge d'endurance, t'as un maximum. Il a passé la ligne d'arrivée en tête. On va dire le maximum est à 100% et plus l'étape avance, plus le maximum est bas. Ce qui fait que bah, quelqu'un qui a des bonnes compétences on va dire. Qui a des bonnes compétences, il va avoir un maximum à 100% et à la fin de l'étape, bon, il sera on visait un 50 top 10 par exemple, sur cette étape parce qu'il sera raté. Épuisé, etc. C'est dommage. Et quelqu'un à mon niveau, il va être maximum à 100% et à la fin de l'étape, il sera à 2% parce que bon voilà. Et c'est ce pourcentage là qu'il faut réussir à monter pour pouvoir au fur et à mesure avoir des aller de plus en plus loin avec avec le peloton. Si on peut déjà finir une étape avec le peloton, on sera content. Hein? Là, ça sera déjà pas mal. C'est la dernière étape, les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques.
Ça devrait convenir aux punchers. On fait partie des outsiders. Ah, mais non, il n'y a qu'une étape pavée. Enfin, il y a qu'une route pavée. De surprendre les favoris, mais on doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Bonne course. Je croyais qu'il y en avait plus. Allez, allez. Je croyais qu'il y avait plusieurs secteurs pavés. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va voir à la fin de Quimper, enfin à la fin de cette cup, enfin de cette coupe, pardon, enfin de cette épreuve, compétition, voilà, la Brest Cup. On va voir ce qu'on a pris comme point de compétence. Faut vraiment améliorer nos endurances et résistances, quoi. Voilà. Des maths d'Anol. La Bretagne vous salue et ici les routes vont mettre le peloton sous haute tension. Les nombreuses bosses et les routes étroites demanderont une vigilance de tous les instants pour ne pas se faire piéger. A contrario, les attaquants trouveront un terrain de jeu idéal pour passer à l'offensive. Les gars, on va faire votre possible pour rester à l'avant du peloton toute la journée car vous allez prendre beaucoup de petites routes. Le placement sera important. Allez, bonne étape. T'as l'air d'être parti pour une journée en solitaire. Bon courage. Moi j'aurais trop aimé d'être seul, mais non. Il a fallu que Mas Bonnet. Les hommes de tête sont à 10 km du premier. Les sprints intermédiaires. Ils vont se partager les points pour le maillot vert. Le premier marquera 20 points, tandis que le second, lui. Bon, on est déjà dans la bonne échappée. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Je vais tenter, mais ce sera... c'est impossible. On peut pas gagner. Actuellement au sommet d'un col. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Il y a une chose qui peut être tentable. Vous avez une trente d'avance sur le peloton. C'est essayer d'échapper à l'échapper. Mais pour l'instant, on est encore en train de rouler fort pour distancer le peloton. Ce qui fait que ça m'épuise déjà, quoi. Ok, on commence à rouler un peu moins fort. Non ! J'ai cru qu'ils étaient partis. Mais t'es sérieux là ? Pourquoi je suis distancé ? Je suis en collaboration normalement. Oh là, je m'épuise dans le vent. Oh la misère. Je suis dans le groupe, là. Je suis comme ça, là. Hein. J'ose plus. Je tente de partir. L'arrivée est encore loin. Non, non, je les attends pas. Je les attends pas. Si je peux les distancer, moi ce que je veux, c'est la descente. Merci beaucoup, bienvenue Kane. Ce que je veux, c'est la descente. Et le col. Pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. C'est l'équipe du leader qui assure la poursuite de l'échappée. Attends, ça... ça pète les jambes. Je suis parti un peu tôt. Oh, le col, il est pas énorme. Hein. Il fait 1 km. La montée a fait 1 km. Si j'arrive à... N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication. Si j'arrive à rester comme ça, on est parfait. L'oreillette est là pour ça. Il semble intéressé par la victoire d'étape. Ce doit être pour ça que ses équipiers roulent. J'ai 20 secondes d'avance. On est pas mal. Je relance, je relance. Faut pas que je les laisse entrer. Pff,
peux faire un gros carambolage ou tomber. Tomber, on peut faire un gros carambolage, on peut pas. T'as encore 2 km avant d'arriver au grimpeur. Ah, c'est très bien, j'ai 30 secondes d'avance. La montagne est classée en 3ème catégorie. Il y aura donc 2 points et 1 point à marquer au sommet. Je récupère. Je suis en train de faire exploser en plus derrière. J'y vais. Oh oui! On va faire un 3ème catégorie en tête. Ah, ça c'est bien joué. On a attaqué l'échappée. Oh, derrière je peux finir hors délai, on voudrait pas, mais. Oh, derrière je peux finir complètement au bout du rouleau, j'en ai rien à faire. Là c'est bon, on va pas s'épuiser plus. Oh accélère. Ils arrivent fort là. Yes. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Ah oh, bah on est content. Chez Bercy. Ah ouais, on est content, on est content, on est content. Ouais, je les ai attendus. On les attend, on les attend. On respire. Parce que là ils avaient trop, enfin ils étaient trop proches, ils étaient trop revenus pour... Ah j'attaque! Allez, il nous laisse pas partir cette fois-ci. Le chacal. Ouais, bon, c'est normal. Non, on peut comprendre. On peut comprendre. Qu'à rentrer dans le peloton. Ah, j'aurais tenté le 4ème catégorie, mais ça va être compliqué. Lui aussi semble intéressé par la victoire d'étape. Ses équipiers roulent aussi. Voilà, clairement. Classé en 4ème catégorie, le prochain Grand Prix de la montagne offrira un point au coureur qui passera en tête. Possible. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Bah mais ça c'est ce qui nous manque, du punch. Mais ça va arriver. Ah, je manque de rouge, c'est trop frustrant. Le peloton roule fort, restez bien placés. C'est pas si loin. Voilà le classement du dernier grimpeur. Bon. Maintenant, attends le groupe suivant. Et puis, puis on va aller au bout, de toute façon. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Ça sert à rien de s'épuiser plus. On avait plus de bleu, on avait plus de rouge. Les coureurs abordent la zone de ravitaillement. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Voilà. On est dans le peloton. Ne pas collaborer. Une nouvelle côte approche pour la tête de course. Une fois encore, il y aura un point à marquer pour le classement du Grand Prix de la montagne. C'est pas à moi de m'épuiser. Bah si, mais... Mais non ! On garde un œil sur les notre bleu. Les coureurs ne vont pas tarder à traverser Châteaulin, haut lieu du cyclisme breton, où sont organisées chaque année les boucles de l'Aulne, manche de la Coupe de France cycliste. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude, ils sont mal placés au général. Elle jette nue dans la route t'es pavée. Bientôt à bout de force. Ah, c'était essaie pas pavé. De gérer si tu veux éviter une défaillance. Bon. 30 secondes d'avance pour la tête de course. La tête de course approche du second sprint intermédiaire. Rappelons que seuls les 15 premiers marquent des points pour le classement du maillot vert. Ah, je suis pavé encore.
Nous entrons maintenant dans les 20 derniers kilomètres de course. Ok, on finit tranquillou. Le dernier classement de la Giga montagne de la mort, arrivée se toi. Profile à l'horizon. Dernier, le tour, ils avec 1 km à plus de 8% de pente moyenne, c'est l'occasion de passer à l'offensive pour ceux qui n'attendront pas la côte finale. Ouais. Bon, tout va bien, on sera dans les délais de toute façon. Et c'est, surtout, on a gagné un troisième catégorie et ça, c'est bien. Ça, c'est... Oh la vache, la pente de ouf! En noir, c'est au-delà de 12%, je crois. De 17, de 15%, pardon. J'ai pas vu, mais... Bref. Et ça, et on est content. On a fini la Brest Cup. Mesdames et messieurs, salut les pensées sans côté. Voici le vainqueur de l'étape. Je vais arriver à Boulogne. À Boulogne, c'est à dire. Bien joué à toi. Il joue les... Où sont les cols? Succès déverrouillé, on a fini la Brest Cup. On n'a pas gagné. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas dans les 10 premiers. Bienvenue. C'est dommage. On finit même pas dans les 10 premiers, mais j'en ai rien à faire, Brad, de pas finir dans les 10 premiers. Moi, ce qui compte, c'est ça. Tac! On est 145e, actuellement dernier. Et ça, c'est à 15 minutes. 15 minutes de l'avant-dernier. Mais on a bien joué. Hein. Parce qu'en vrai, on est quand même 2 points du meilleur grimpeur. On est 8e. Derrière Bossian Laken. Bon, voilà quoi. Classement par points, on en a 15. Ce qui nous classe 21e. Classement des gels, bon, on est dernier, forcément. L'équipe, on s'en fiche. Et classement de la combativité. Ah la vache, il y a Gitz qui a 326. Et Scully à 317. Les chacals. Bon, c'est pas grave. C'est pas nous le classement de la combativité. Mais... 27 points d'amélioration encore. On est passé de 63.8 à 66.6. Et ça, ça fait clairement plaisir. Terminer une étape de vallon, on a amélioré ça. Là, on se prend un plus 3. Sortir en tête d'un secteur pavé 1, 2 ou 3. Boum, ça c'est fait, on est content. On est passé à 58 en pavé, on est content quand même. Résistance, on prend un plus 2 avec les échappées solitaires. Il nous reste 150 km d'échappées solitaires et après c'est tout quoi. Sortir en tête d'un secteur pavé de 4 ou 5. Ouais bon, ça va pas être... voilà. Endurance, on prend un plus 5. Merci Gabriel, bienvenue à toi. Et bonjour Thomas du coup. Il faut continuer de cumuler les échappées. Encore 100 et 200 km à faire. En solitaire. Bon, ça va continuer de se faire. On est monté à 70 et 71. On était à, je crois, 63 et 65. Non. Alors, on était à 65 et 68. Donc, encore... Là, c'est vraiment un truc important qui commence à bien à s'améliorer, quoi. En descente, bon, bah voilà, pour l'instant, on n'a pas fait de truc particulier, quoi. Montagne, on n'a rien. On prend un plus 4 au vallon grâce à étape de vallon et passer au sommet d'un col. Donc, on s'améliore aussi là-dessus, c'est bien. Accélération, ça, c'est nécessaire. Le passer en tête au sommet d'un col de 3 ou 4e, on prend un plus 1. Et attaquer et s'échapper pendant 10 km, c'est fait. Faut encore le faire 5 fois, apparemment. Pour reprendre un plus 1 et passer à 68. Gagner un sprint intermédiaire, ce serait trop bien, quoi. Sprint ici, on prend un plus 3 aussi, donc c'est pas mal. Et plaine, bon, voilà, quoi. Bon, on est en train d'améliorer notre pépère tout doucement. On rappelle qu'on était... Critérium du Dauphiné. On rappelle qu'on était à 63 points quelque chose. On est arrivé à 66. Hein. Donc, ça s'améliore. Jacobson. Qui gagne. Ah, Bisguer qui a gagné le puits envolé. Qui est maillot jaune. Ah, Jacobson encore qui gagne. Incroyable. Le contre-la-montre. Ineos qui gagne. Ghana qui a gagné le contre-la-montre. Ouais, pas forcément. Pas surprenant. En Ineos, du coup. Caleb Evan, et c'est toujours Bisseger. Je sais pas comment on le prononce. Ici, c'est Higuita. Oh, Almeida qui passe devant. Et on arrive sur les étapes de montagne. Attention au glitch. Boum. Et Chavez, et c'est Roglic, maillot jaune. Bien joué. Roglic a gagné le Critérium du Dauphiné. Vous n'êtes pas qualifié. Ah bon?
Pogacar qui finit à 50 secondes. Bardet à 1-4. Bien joué, Romain. T'as l'étape. Celle-là, on finit hors délai. Hein. Vu notre niveau, on finit hors délai. Hein. Ok. C'est l'heure du Tour de France. Bon, on n'y est pas. On n'est pas qualifié. Hein. Terminer la saison à un rang minimum de 18 au classement par équipe. Je suis combien par équipe? Je suis 26e par équipe, je crois. Ça va être dur, hein. Bon, on peut pas participer deuxième saison Tour de France, hein, de toute façon. Enfin, si, je pense, mais pas à la manière dont moi je joue. C'est parti. Le Tour de France 2022. Qui va gagner? Qui va le gagner? Van Aert avait pris le maillot jaune à Cali. Est-ce que ça va rester? Enfin, est-ce que ça va faire pareil? Surprise! Ah, c'est Pogacar qui a gagné. Il prend pas le jaune, mais il a gagné. À Cali. Van Aert, ah, la Philippe, oh, il était pas là. Mais... La planche des belles filles. C'est De La Cruz qui a gagné. La super planche des belles filles, pardon. Ah, Dylan Van Baarle. Il est heureux, là. Oh, Pogacar qui prend le maillot jaune. Carapace qui gagne. Toujours Pogacar. Encore Carapace, bah, putain, mec. Attends, il fait le triplé. Oh, les Alpes dominées par Carapaz, incroyable. Philipsen qui gagne à Saint-Étienne. Ciccone qui gagne à Mende, je sais pas. Philipsen, Carapaz, le maillot jaune. Voilà. Et Rata qui gagne à Foix. Oh, la Cofidis, let's go, Izaguirre. Ah bah, donc, Carapace qui va finir maillot jaune de ce Tour de France. Inattendu, mais bien joué. Comme quoi, c'est pas comme en vrai, quoi. Gala. Oh, Pogacar qui prend le jaune sur le contre-la-montre. Incroyable. Ce tour exceptionnel. Ça n'a pas dû jouer à grand-chose. Hein. Et Jakobsen qui a gagné. Oh la vache! Mais attends, mais Carapace, il a été zéro sur le contre-la-montre, quoi. Il a perdu 2 minutes plus, quoi. Ouais. Incroyable! Bon, on prend rien, 66.6. On a le retour, bien sûr, on n'est pas qualifié non plus, évidemment. Et après, c'est l'Open Tour. Le Touquet Lille. Alexander Christophe qui gagne. Étape pavée. Quick Step. Asgrid. Arras Roubaix. Deuxième étape pavée. Casper Asgrid qui gagne encore. Arambert, Porte du Hainaut. Tige Bellot, Moric qui prend le maillot jaune. Et un contre-la-montre pour finir avec Gala et Asgrid qui finit maillot jaune. De l'Eurotour, bien sûr. Bien joué. Bien joué, bien joué. On va faire une petite sauvegarde. Et on va aller s'occuper de la prochaine étape. C'est-à-dire l'Open Tour.